Effectivement, avec à la droite du père, on va voyager dans l'espace et dans le temps. Alors on part effectivement en 1940, quand le gouvernement de Vichy s'installe dans la ville de Vichy, au moment où le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs, juste après l'armistice. Et on est dans cette ville qui est une ville thermale, mais aussi à bien des égards une ville coloniale, une cité des colonies, qui va glisser comme ça de cité coloniale à cité du maréchalisme. Ensuite, on va partir, on va faire un saut dans l'espace et dans le temps, et on va partir à Beyrouth, au Moyen-Orient, donc en 1982, pendant la guerre du Liban, et notamment ce tournant de 1982 qui correspond à l'invasion israélienne du Liban et au siège terrible de la capitale Beyrouth. Et puis on va refaire un saut dans le temps et on va finir le roman en 2013. On est de retour en France. On est dans le sud de la France, à Rivesaltes, dans un ancien camp d'internement de l'État français, de sinistre mémoire, connu pour avoir été le Drancy de la zone libre, en référence aux convois qui sont partis à Auschwitz via Drancy. Donc une espèce de grande fresque comme ça qui s'étale dans l'espace et dans le temps. Alors comment, me direz-vous, on passe eh bien, de Vichy à Beyrouth et à Rivesaltes? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce roman et c'est tout le drame de son héroïne, Claire, qui est bouleversée par l'histoire, transportée et transpercée, je dirais même, par des mouvements de cette histoire terrible qui effectivement s'origine dans son milieu familial. Alors là, en 1940, elle n'est pas née, bien sûr, elle naîtra plus tard. Mais en 1940, son père, qui est architecte, travaille pour le régime de Vichy. Lorsqu'elle-même naîtra plus tard, ce sera un homme donc très très âgé, puisqu'elle a 9 ans en 1975. Et à ce moment-là, c'est un homme âgé, malade, très très malade, donc un vieillard. Qui ressasse en fait toute cette période des années 30, 40, avec marquée par cette espèce de figure terrifiante de l'autre, de l'étranger, qui à l'époque c'est le juif, le judéo-bolchévique, le franc-maçon, et il ressasse comme ça cette espèce de passé, et il lui infuse une image assez terrifiante de cette figure qui se cristallise autour de la figure du juif. Or, ce père est dans une contradiction, une ambivalence incroyable, parce que, eh bien, il porte une kippa. Et cet homme, sur le tard, fait une sorte de crise mystique. Il se sent élu par une espèce de mission divine qui va consister à ramener le peuple juif, donc les brebis perdues d'Israël, de les ramener dans le droit chemin, donc dans la vraie religion catholique chrétienne. Et donc cette petite fille est prise comme ça dans une espèce de saisissement, d'ambivalence, de contradiction. Et elle-même est pétrie de contradictions. C'est un petit peu le miroir inversé du père, parce qu'elle est très très proche de son père. Cette petite fille vit avec son père, sa mère, sa sœur. Sa mère est froide et hautaine et rejetante, inaccessible. Il y a un mystère autour de cette mère. Elle se demande si c'est vraiment sa vraie mère. Et sa sœur est dans une rivalité, elle est très jalouse et ils ne sont pas du tout proches. Par contre, avec le père, il y a quelque chose de très très fusionnel. Mais c'est un amour fusionnel, passablement destructeur aussi. Et bien, tout va basculer pour cette petite fille, parce qu'un jour, on lui annonce que eh bien, son père, qui était très très malade, eh bien, va mourir. Il est condamné par les médecins. Et elle le croit, évidemment. Hein, on lui dit, donc c'est vrai, ça va se passer dans l'heure, dans la minute, dans la seconde. Et alors elle est terrifiée parce que finalement le seul être au monde qui lui prête de l'attention eh bien, risque de disparaître. Donc ça c'est déjà terrible. Et puis en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il est investi de cette mission divine. Et il n'a pas fini. En fait, il passe son temps dans des vieux grimoires hébraïques. Il s'est plongé dans la religion. Il connaît parfaitement par cœur l'hébreu ancien. Il traduit l'hébreu ancien. Il écrit des livres à partir de l'hébreu ancien. Et donc c'est une sorte de talmudiste fou avec une kippa, voilà. Alors que par ailleurs il tient des propos sur les juifs complètement
Et alors, en fait, dans cette quête, il cherche la clé dans la Bible hébraïque qui va lui permettre de prouver que le peuple juif, il s'égare. Il attend toujours le Messie, mais il se trompe. Le Messie est déjà venu, c'est Jésus. Donc elle est suspendue à ça, enfin toute la famille, parce que finalement, voilà, c'est un père quand même très, très dominateur, très autocratique, qui dicte sa loi. C'est un peu la loi du père, la loi de Dieu, tout ça se passe d'ailleurs sous le regard de Dieu. Regard auquel on n'échappe pas, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, nous dit la Bible, donc on n'échappe pas au regard de Dieu. Et alors il faudrait qu'il vive pour qu'il trouve sa révélation et puis que tout se termine bien, que la prophétie se réalise. Alors évidemment, il y a ces injonctions-là, mais cette petite Claire, quelque part, au moment où elle se dit « comment je peux sauver mon père ?» En fait, parce que c'est ça, « comment je peux sauver mon père ?» L'idée qui lui vient, la première, parce qu'elle est complètement conditionnée en fait, par la religion, etc., elle se dit ben, « je vais offrir ma vie en lieu et place de celle de mon père. Je vais mourir à sa place. » Alors elle fait une prière, tout ça. Enfin, pour elle, la réalité et la fiction se mélangent énormément. Cette petite fille a beaucoup d'imagination. Et puis elle est persuadée que voilà, elle a lu plein de lectures édifiantes avec des saints, des saintes, des martyrs qui donnaient leur vie. Alors elle veut faire pareil. Elle se dit, je vais donner ma vie, voilà, et comme ça, c'est moi qui vais mourir, mon corps va monter dans les airs, et puis mon père, lui, eh ben, il va revivre par moi, il va renaître par moi. Mais la nuit, elle fait des cauchemars, parce que quand même, elle a 9 ans, et puis mourir, ça fait quand même un peu peur, et elle n'a pas forcément très envie quand même, au fond, de mourir. Et un jour, alors que son père a une crise terrible, il est à l'agonie, peut-être même il va mourir ce jour-là, on ne sait pas, mais... ce jour-là, alors que son père s'écroule par terre, dans le même mouvement, il entraîne une pile de journaux qui tombe sur le sol. Et en fait, les seuls journaux, le seul journal qui rentre dans cette maison, qui est une maison quand même très confinée, enfin, intellectuellement, idéologiquement, c'est le Figaro, qui est le journal effectivement plutôt conservateur, qui ne s'appelait pas encore le Figaro d'ailleurs, mais l'Aurore. Et cette petite fille, le journal s'ouvre à une page, et dans cette page, c'est les pages mondes du Figaro, il y a une figure patibulaire, qui est représenté comme ça, une espèce de portrait robot. Et c'est Ilich Ramirez Sanchez, Carlos, dit Carlos, dit le chacal, que présentent les journaux sous les traits d'un tueur sanguinaire, un tueur fou, qui est recherché par toutes les polices du monde entier. Et elle, en fait, elle va tomber complètement amoureuse de cet homme-là, cet homme de papier qui surgit comme ça des colonnes du journal, comme, un peu comme le Minotaure dans le tableau de Max Ernst. Et pourquoi elle va mettre tous ses espoirs dans cet homme-là? Parce qu'elle se dit, mais tout le monde le recherche, il est insubmersible, il est insaisissable. Elle imagine que c'est un homme qui est plein de courage, de force et de ruse. Et elle se dit, c'est lui qui va me sauver. Il va me prendre, il va m'enlever, il va m'arracher à ma famille. Et comme ça, ma promesse, je ne serai plus obligée de la tenir. Parce que bon, mourir, oui, mais non, quoi. C'est pas si simple quand elle sera adulte. Elle va, sous la pression de certains événements, et notamment d'une rencontre amoureuse, elle va être obligée de re-questionner tout ça, parce que c'est quand même pas très normal une petite fille qui tombe amoureuse d'un terroriste. Elle le sait, hein, elle a 9 ans, mais elle est précoce, elle a bien compris qu'il tuait des gens quand même, hein, c'est clair ça. Et en particulier, c'était quand même Ilich Ramirez Sanchez au milieu des années 70, c'est la figure de proue des années de plomb et d'un terrorisme qui cible essentiellement des intérêts sionistes, l'État d'Israël, en relation avec la question palestinienne et en réaction à la guerre du Kippour. Donc elle a capté ça, que quand même c'était très en lien avec la question Israël, la Palestine, etc. Mais comme on peut le capter quand on a 9 ans, c'est quand même un peu confus aussi. Sauf qu'à l'âge adulte, elle va bien devoir se confronter à cette réalité-là, avec quand même une analyse. Et donc cette rencontre amoureuse, c'est un jeune architecte, même profession que le papa, libanais, un enfant de la guerre du Liban. Donc il est un petit peu plus jeune qu'elle, il est né en 73. Il a donc vécu toute la guerre du Liban. Et ce jeune, cet architecte, quand il était enfant, en fait, c'était un petit artiste. Il passait son temps à dessiner, il dessinait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qu'il dessinait? Il dessinait sa ville, il dessinait Beyrouth, qui était en train de s'effondrer sous les bombes. Et en fait, pour que cette ville reste en vie,
pour la faire revivre, pour la maintenir en vie, il l'a dessiné. Chaque fois qu'un immeuble était effondré, il le dessinait. Et il cartographiait comme ça tout Beyrouth, toute sa ville, tout son quartier, partout et tout le temps. Et ce petit garçon, un jour, il va se retrouver, non plus avec un crayon dans les mains, mais avec un fusil mitrailleur. Un fusil mitrailleur de marque allemande, qui en plus est le même que la même marque, celle qui a servi pour les massacres de Shatila. Et en plus, une des victimes du massacre de Shatila, c'est son propre grand-père. Et ce petit garçon, en fait, l'homme qui lui tend la Kalachnikov, enfin, qui lui prend le crayon de certaine façon et qui lui tend la Kalachnikov, enfin, qui n'est pas une Kalachnikov d'ailleurs, qui est un Heckler & Koch, qui est une marque allemande, c'est précis parce que c'est vraiment... Il y a un fond historique, même si, vous l'avez compris, c'est complètement romanesque, mais il y a vraiment des détails comme ça auxquels je tenais beaucoup. Et bien, l'homme qui lui tend le fusil mitrailleur à la place du crayon, mais ça n'est nul autre que Ilich Ramirez Sanchez.